Hey, troisième épisode de Soudainement, une tempête s'abat sur l'océan et nous jette dans la roche et on est échoué. Bienvenue dans ce troisième épisode tragique de Star Tropic. Ça commence mal. Une petite musique triste aussi. Notre sous-marin est crashé, j'espère que Rob. Rob? T'es crashé. Yeah. Oh, notre vaisseau est tout cassé. C'est étrangement calme après la tempête. C'est assez classique, justement. Calme. Avant et après. Pour maintenant, tu dois marcher. Man. Comme quelqu'un qui a des jambes, je crois. Bonne chance. Alors, dans ce troisième épisode de Jub, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On ne sait même pas ce qu'elle est dans le nez, on sait juste c'est fou. Mm-hmm. Bon point, Alex. C'est tragique. Mais il y a une maison. Avec la chance, il y a encore la femme, un fermier ou un gars dans un phare qui va vouloir s'occuper de nous. Non, c'est un vieux monsieur. Un vieux monsieur, mais... les vieux monsieur, qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas. Tu as l'air épuisé, droit. Bois, ah, ben, il nous guérit. Merci. Il nous fait lire. Il fait boire son lait de noix de coco. Qui vient de où? De ses cocos. De ses. Mm-hmm. De ses noix. Il veut qu'on trouve Miracola. Et il peut nous aider à réparer notre sous-marin. C'est presque cool. Mais tu sais, on lui a même pas expliqué qu'on s'était cru. Ben, ça s'est fait là. Il parle, jase là pendant qu'il faisait ses affaires. C'est des mages. Moi, ça me tente pas de tout troller ce qu'on vient de faire là. T'as-tu déjà entendu Link parler? Jamais. Et pourtant, ben oui. Tout le monde sait ce qu'il dit parce que c'est hors contexte. Non, Link il parle tout le temps. Excuse me, princess. C'est pas canon. Hein? C'est pas canon. C'est pas quoi? Canon. C'est pas canon. Ça veut dire que c'est pas dans la série principale, c'est rejeté. Ça, puis les jeux de CD. Non, on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas. Non, la série télé, ça me dérange moins, mais les jeux de CD. On n'en parle pas. Hey, ok, direct dans le donjon. Là. Tu penses pas que c'est le donjon? Hey, puis on a pas eu de cœur pour le donjon qu'on vient de faire. Non, je sais pas comment ça marche. Bon, ben, allons-y. C'est un nouveau donjon, hein, back-à-back, pas de répit pour. Je pense pas que c'est un donjon, moi je pense que c'est vraiment juste une passerelle. Je pense que c'est un donjon. Ouch! Ça, c'est plus une passerelle. Mais c'est plus dur que les autres donjons quand même. C'est comme le troisième donjon. Ouch! Ouais, attention. Là. Je me rappelle, j'avais le livre d'instruction en français de jeu-là, et il y a des monstres qui ont des noms géniaux, comme une guenon mutane ailée. Ouais. Ça, c'est une madame singe, avec des ailes, puis elle est mutante en plus. Une guenon mutane ailée. Non. Ça, je l'avais pas. Tu tirais en bas, puis ils en ont à droite. On ne dira pas ce que certaines personnes en font, généralement. Mais je pense que c'est plus une corde que se lance autour d'un coup. Voilà les guenons mutants ailés. Ils nous montrent leur cul d'ailleurs quand ils sortent vers eux. Petite coquine. Hein? T'es impressionné? Guenons mutants ailés. Il aurait pu être sans être ailé, puis ça aurait fait la job. Aussi. Et ils ont la faculté de sauter. Ils n'ont pas besoin d'elle pour avoir la faculté de sauter. Ça a l'air que oui. C'est probablement pour ça dans le choix d'Inland qu'ils ont mis des ailes, parce que les autres monstres sautent pas. Regarde, j'ai-tu des ailes, moi? Ouais, mais toi, t'es grand. T'es long. T'es long. T'as au moins deux guenons mutanellés, un par-dessus l'autre, taquet ensemble avec des yeux. Scotch tape. Ouais. Hey, y'en a pas une qui t'a donné une étoile, hein? Non. C'est très petite, pas fine. Boum boum boum. Mais ça marche pas. Ouais, y'a un truc. Ah, là c'est bon. Une autre fois. Ah, ils vont revenir.
Fait que là, on vient de comprendre que c'est une histoire d'extraterrestres. Des extraterrestres. J'en reviens pas. Je savais que ça existait. Oh, t'aimes-toi bien. Ou tu sautes quand il revient. Ou peut-être qu'ils ont juste pas de bonne traduction, puis ça s'est transformé en alien. Non, non, c'est dans les extraterrestres. Puis le 2, c'est la revanche de Zodas. Zodas. Le jeu s'appelle Domain, c'est pas un punch. Le 2 s'appelle Zodas Revenge, c'est pas Tropic 2. Ah, merci. Ouais. Il voulait utiliser mes personnages. Bon, on a le même rôle, on est Mike encore. Je sais plus s'il y a un pas lieu, je pense que oui. Il aurait été cool dans Smash, là. Il est quand même efficace. Il y a un bâton de baseball, il y a un yo-yo. Ah ouais, c'est pareil que. C'est chiant, ça. Que Ness. Ou le Villager. Ouais, ça c'est une affaire qu'il faut que tu. Je pense que quand tu fais. J'avais un truc en faisant sur Star, je pense. Non. J'avais pas un truc. Je flashais l'écran. C'est vraiment juste en rentrant et en sortant de l'écran. Mm-hmm, je peux plus sortir. Ok. Bon, faut que tu ailles par là pis ça. Le tour. Je vais pas sauter, je vais mourir. Non. Non. Escalier, t'as fini. Ok, c'est parce que tu veux ouvrir la porte. Je sais pas ce qu'il y a là. Ok, reviens. On va regarder où l'autre. Okay. Ici, ouais. Oh, t'as trouvé la switch de lumière? Parce que oui, il y a une switch de lumière. Attends, il y avait un escalier là-bas, pourquoi ça ouvre une porte? Oh! Ah! Quoi? Mais il y avait un escalier! Puis là, t'as un autre escalier, mais la porte est fermée derrière toi. C'est bien chiant. Ça menait où, ça? Je suis né. You done it. J'espère qu'il n'y avait pas un cœur de caché. Ça doit pas, je pense pas. Pas les cœurs. Ce serait trop chiant. Ça se peut. Il y avait un boss. Je pense qu'il y avait une entrée en haut de la hutte. Tu es par là. Je vais vérifier si on peut voir. Ah, ok. False exit. Good.
Ça m'arrive. Good. On a rien manqué. Là, je vérifie. Je suis heureux. Où c'est que tu vas? Ouais, l'entrée me semble être cachée. Ça se peut. Il fait le tour, fait qu'il respire et respire la terre. Il tout ça. Ah. Passage au deuxième étage. Ma mémoire fuckée. Ah, hey, Bennett. Bennett est malade, va-t'en. Fait que là, faut retourner voir quelqu'un qui nous dit qu'il y a un remède pour Bennett. C'est elle, là? Ou si t'avais les mémés? C'est quelqu'un en forêt. Peut-être les mémés en bas. C'est quelqu'un en haut de là-bas. Ouais. Mais c'est... il y avait un gars en haut à droite, pété. Ouais. Ah, il y a elle. Elle est malade, ok. C'est pas elle qui a le remède. T'as été dans cette pute-là? Puis il n'y a pas un remède. Mais on est déjà plein! Et okay. C'est Coconut. Puis... lui, tu as-tu parlé? Ouais, je parle à tout le monde. Oh, on va réussir. Je savais pas qu'il était malade. Chicola. Maintenant, je sais qu'il est malade. Que... peut-être qu'il va dire autre chose. Ah, peut-être qu'il va nous laisser passer pour aller chercher un remède. J'espère. Il est malade. Non. Ok, on va retourner voir le chef. Je vais te frapper comme... Avec ses fâchés, je pense. Yo, laisse-moi passer. Ben, j'ai été. Ouais, pas plus. Ben, il reste à aller voir le chef en haut. Le chef, il me disait de pas y aller. Ouais, mais peut-être que là, on va dire. Ah, mais ta fille est malade. Ta fille est malade, man. Mais... il y avait quoi dans l'affaire de l'enfant, là? Ah! Je te laisse rentrer. Oh, ça c'est pas beau ces gens-là. Porte toute la moustache. Je fais juste. Je fais juste traîner ici. Voilà le chef de Miracola. En fait que tu sers à quoi? À rien, c'est il dit lui-même. C'est pas bon. Oh! Il y a la veste de Marty dans Retour à la Future 3. Ben la veste là. Le châle de Clint Eastwood. Je suis le chef Miracola, Mike. J'ai entendu tes aventures courageuses. Mais ça se parle vite entre les ouais. îles. Ils se parlent plus vite qu'ils m'ont sous-marin. Ben oui. S'il vous plaît, peux-tu m'aider? Non. Si tu répares notre vaisseau, on fait spatial. Un deal. On fait un deal. Yeah. Il y a un an, plusieurs étoiles filantes sont apparues dans le ciel. C'était des extraterrestres, tu. Et soudainement, des lumières étranges ont flashé dans le ciel. Depuis cette nuit, ma chère Bennett est tombée dans un sommeil et ne s'est jamais réveillée. La crise d'épilepsie. J'avoue, ça va être ça. Elle est morte. S'il vous plaît, aide ma fille. Elle est en haut. Je t'aide tantôt. Ils m'ont pas laissé rentrer. Ah, les gens disent que l'ermite de la montagne qui aurait des magies de guérison. Non. Tu dois le trouver. S'il te plaît, aide ma fille. Et je réparerai ton soin. Mais pourquoi t'as pas essayé d'y aller sans moi? Parce que nous, on est un aventureux courageux. Ça fait un an. Ouais. Il a envoyé personne. Il a envoyé personne. Ah, on va voir. Ouais. C'est pas fort, ces gens-là. Je dis de même, là, mais. Je leur parle, ils disent la même chose. C'est pas fort, ces gens. Je dis de même, là. Mais c'est pas fort. Please visit. Ah! Oh, faut aller voir Bennett. Mais maintenant, au moins, ils parlent, hein. Ils disent. Va-t'en là-bas. Non, oh, ouais, c'est pas. Mais quand j'étais jeune, j'avais un peu de la misère. Il fallait que je fasse beaucoup de promenades de même, mais je comprenais pas l'entrée. C'est comme ça qu'on a appris à voler aussi. Là. Mais. Et un que nous. Ouais. Oh! Oh! Oh, t'es Mike! Bennett est malade dans son lit. Va la voir. Je suis tellement inquiète, Bennett! Elle est malade depuis tellement longtemps! Et mon mari fout rien. Il sait où le remède. Oh, zzz. Zzz.
Elle est vraiment malade. Arrête pas de zizoter. C'était tellement important d'aller voir. Ben là, t'es conscient de toute la gravité, là. Fait que là, faut que je trouve un médicament. Moi, je suis motivé à aller à l'autre bout du monde, d'aller dans des donjons juste pour qu'elle arrête de faire zzzz. On s'entend que le problème, là, c'est 4 fois la LED Z avec deux petits points. Fait que là, faut trouver le médicament qui règle ça. L'opposé serait AAAAA, virgule, 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 AAAAA. Quelque chose de genre. Ouais, c'est ça. Bonne chance! On voulait passer depuis longtemps. Bon, il y a un truc à sous-marin, mais on n'a pas de sous-marin. J'espère qu'il va le réparer et l'amener là. Qu'en penses-tu, Alex? Je pense que c'est ça l'idée. Bon, ben là, on s'en va dans un donjon. Il n'y a pas de place à sous-marin là. On va traverser ici. Non. Ah, faudra-tu revenir par la grotte ou ils vont nous téléporter? Ouais, c'est ça. Une sauvegarde maintenant. Hey, on est encore dans le même épisode. Hein? Ouais. C'est juste que deux grottes. Les items. C'est un gros épisode. Ah, les items, ils disparaissent dans le fond. Ah ouais. On regarde juste nos items en bas. Puis la vie. Ouais. Les étoiles, on les a perdues aussi? Non, on les perd pas, mais finalement, on n'avait pas. Le truc, c'est d'aller derrière. Tu vas attirer lui là. Regarde, si t'en vas par là. Oh, excuse-moi. C'est pire. Mais t'as passé. Non, ça, c'était pas. C'est ça. J'aime pas les techniques de Wuss. En passant, ce que tu fais là, il y a des monstres plus tard qui ont trop d'énergie. On va pas leur faire, ils sont trop vite. C'est un genre d'oiseau qui te court dessus, là. Ah, eux autres. Entre autres. Ils vont sauter. Tu vois tout ce que des ailes sautent. C'est brillant. Choix de design. Je suis sûr que c'est Miyamoto qui est arrivé dans le bureau. Là, là, si ça saute, ça prend des ailes. Miyamoto parle toujours comme ça. Là, faut que tu te serves. Ah, tu regardes, c'est facile. Lequel qui avance le plus, c'est lui. C'est le bon. Saute là. Les autres, t'aurais tout tombé dans l'eau. Fais un petit temps. Pareil, les octopus, tu l'as pas. Ça va toi-en comme guide. Ah. Oh! Ok, ben, remonte ici. Le voleur. Après, il monte. Fait que, on sait au moins qu'on peut faire ça. Mais il faut pas aller chercher du baseball. Là, monte. Ah, voilà. Ok. Fait du bien de voir de la lumière parce que là, c'est inquiétant. Oh, une nouvelle ennemie. Diagonale. Ok. Quelle attaque en diagonale? Qu'ils se chargent avant de partir en diagonale. Donc, il y a moins de prendre leur pattern. Puis, attention. Le plus facile, c'est de se mettre en dessous quand ils chargent. Puis d'attaquer. Bon, de 1. T'as un slingshot, hein? Le slingshot de Young Link. Même univers. J'ai déclaré ça. On entend le cœur. Oh, fait que t'avais même pas à les tuer. Coup de théâtre! Je pense toujours à Zelda, pour t'es-tu quand même. Ah oui. Ils font apparaître des items. Là, ouais. Ça fait du bien. Toujours où? Non, pas de passage, je vais dans l'escape. Bam, 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 bam. Tadam, tadam, tadam. Tard.
On est dans un volcan, Alex? Ah, c'est pas un coup. Oh! Oh! Il y a des golems ici. Ça, c'est pas facile. Ah! Ça, c'est une vie de plus. Plus 2 vies de plus. Wouh! Je sais pas si c'est le hasard, ça. Ce qui manque, c'est vraiment un bon bouclier dans le jeu. C'est quoi l'idée de partir dans ça sans bouclier? Oh, ça fait mal, ça. C'est du feu. Bon, c'est promène-toi, il y a un switch qui est bon. Ah, c'est bon. Bien joué! Ça bien jump, joué. Ça va bien. Oh. Un peu trop tard. Alors, c'est le même cadran que dans... fais donc Start. Select. Ah, ok. C'est vraiment un item One News comme Zelda 1 quand tu pognes le... Ça s'affiche le temps. Tantique pour ces deux bits-là, mais il était déjà mort parce qu'Alex est trop ninja. C'est ton nom de famille, c'est ninja, je pense. C'est Al Ninja. Ça se tue en passant, hein. C'est juste. Attention. Ok, faut que tu fasses les deux côtés puis tu trouves la bonne switch. Ouais, va là au milieu. Va au milieu de ça. Parce qu'il y en a un qui pense que c'est un piège. Ah non, c'est pas là. Ok, il y a des cœurs là. Il nous les faut. On va les chercher. Bonne chance. Ouais, je pense que tu peux sauter par-dessus. C'est un peu comme le slingshot, ça fait plus mal. Ou c'est l'inverse. Hein? Il s'en rappelle, Alex. Il est pas mort cette fois-ci. Pas grand mérite. D'ailleurs, t'es pas le premier à mourir dans la lave et à ne jamais te désintégrer. Parce que c'est de la lave un peu tiède, un peu diluée. Oh, le boss, j'ai plein de surprises en voyage, je l'ai jamais vu. C'est un monsieur tout en feu. Et il lance du feu. Et là, il faut détruire les deux orbes. Alors, il faut trouver les switches qui sont cachés. Je pense qu'une fois que ça va être fait, il sera plus en feu. Il va juste rester à le tuer, ce qui est vraiment facile avec tout le feu qui crache dessus. Oh, il est mort de même. Ah, il va tomber dans l'eau! Ok, mais dans le fond, le défi c'était. Ah, ok, il l'a foutu dessus. Prends ton, ton slingshot. Ouais. Chut. Ouais, il était mort. Je suis dans l'eau. Ben oui, hein, le feu dans l'eau, c'est pas un faire jeu. Petite de victoire. Et voilà, maintenant, deuxième partie du donjon. Ok, très long. Oui! C'était un plus long épisode. Il y avait deux donjons, on aurait quasiment fait deux épisodes. Non, avec c'est un dans l'eau, là? Non! Ah, pitié. Yay! You! Wow, you've done it! Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait le. On a fait des points. On a sauvegardé. On a fait des points aussi. Bon. Je peux pas faire le saut de l'ange. Alors là, on s'en allait chercher un médicament. Ouais, pour la petite madame qui dort. Dans le château qui est là, probablement. Dans le château. Pourquoi le château? Ben, ça a l'air un petit château. Je vais jouer d'autres chemins. Oh!
tu te transformes en femme. Hein? Oh, elle veut pas me laisser passer. Je suis une she-guard. D'accord. On va faire le tour du château. Hey, c'est vraiment une grosse île. Ça bloque? Non, je pense plus qu'il y ait d'entrée. C'est pas ça. Pas jusqu'au bout. Il y a un pont. Allez, pour sortir. Non. Oh! Voilà, Alex. Pas un autre donjon. Oh! Non, elle va te transformer en fille. J'ai une fortune teller, sorry, but I can't help you. Elle peut pas nous aider. Elle a échappé sa boule de cristal au fond. Ah, oh, un village fantôme. Ouais. Hmm. Hmm. Un village fantôme. On va aller voir ça. Village fantôme, c'est où ça? Bon, on va continuer par là, peut-être en haut. Il y a un passage en haut, puis il y a un passage en haut. On va voir en haut s'il y a un trou. En bas. Ah non, mais c'est quoi, Alex? Je pense que on va finir cet épisode 3 là ici. 3, c'est ça? Oui. Alors, parce que ça fait déjà beaucoup de stock sur ce style là. On a fait 2 grottes d'ailleurs. Puis on se revoit dans le 4e épisode. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.